لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لا نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون En vérité, Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ses signes, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. Et avant cela, ils étaient dans un égarement manifeste. Comment lorsqu'un malheur vous arrive, et jadis vous en aviez infligé le double, vous dites « D'où vient ceci ?» Réponse, cela vient de vous-même. Assurément, Allah possède le pouvoir sur toute chose. Et ce qui vous est arrivé le jour où les deux armées se rencontrèrent était sur l'ordre d'Allah. Il en fut ainsi afin qu'il pût distinguer les croyants et afin qu'il pût distinguer les hypocrites. Il leur fut dit, « Venez et battez-vous pour la cause d'Allah et repoussez l'assaut de l'ennemi. » Ils répondirent, « Si nous savions nous battre, nous vous suivrions volontiers. » Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la croyance. Ils exprimèrent par la bouche ce qu'ils n'ont pas au fond du cœur, et Allah sait très bien ce qu'ils dissimulent. J'ai déjà récité ces versets, je suis en train de commenter sur le premier verset, et on m'a dit que hier, dans la traduction, j'ai traduit Liya'lam al-Mu'minin afin que les croyants sachent. Ce sont des lapsus. Des fois, on prononce une parole alors qu'on a autre chose en tête. C'est pour cette raison que j'ai présenté la traduction ici. Il est dit ici afin qu'Allah puisse distinguer les croyants.
J'étais en train de présenter la traduction et j'ai traduit cela comme si on avait écrit Al-Mu'minoun. S'il y avait Mu'minoun, la traduction aurait été afin que les croyants sachent. Ici, on trouve mention de Mu'minin. C'est pour cette raison que je suis en train d'expliquer cela, afin que l'on puisse présenter la meilleure traduction. On est en train d'organiser ces classes et ces classes ne vont pas s'arrêter là. Cela va faire partie de l'histoire et ce sera une amana qu'on va confier aux nouvelles générations. C'est pour cette raison que s'il y a des erreurs quelque part, s'il y a des lapsus ici et là, il faudra tout le temps corriger tout cela. À ce propos, je dois présenter une autre correction. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai commis inconsciemment. Des fois, je présente un nom alors que j'ai autre chose en tête. J'ai en tête le nom de quelqu'un et je prends le nom d'une autre personne. Et j'ai commis cette erreur à plusieurs reprises. Lorsque j'ai réfléchi, j'ai compris qu'il y avait en fait une erreur d'association. Par la grâce de Dieu, je me souviens de tous ces sujets par association. Hier, je me suis souvenu d'une référence, que j'avais lue 25 ans de cela. Je savais que cela était exact. Mais je fais toujours des erreurs concernant les noms. Cette faiblesse, je l'ai depuis ma tendre enfance. Alors que le deuxième calife avait une bonne mémoire concernant les noms, et Chaudhry Zafullah Khan aussi avait une bonne mémoire concernant les noms. Ici, l'erreur que j'ai commise est en raison d'association. Lorsqu'on parle du prophète Ismaël, on a aussi en tête le prophète Isaac. Et des fois, au lieu de dire Jacob, je prononce le nom Isaac, alors que j'ai en tête Jacob. Hier, j'ai évoqué cette lutte avec Dieu et je parlais en fait du prophète Jacob. Tous les gens connaissent cela. Tout le monde sait que les enfants d'Israël ont commencé avec le prophète Jacob. Il avait 12 fils qui furent chefs de 12 tribus. Donc j'avais en tête l'événement de Jacob et moi je prononçais le nom Israël. J'ai commis cette erreur auparavant aussi dans une session de questions et de réponses. J'ai en tête Jacob et je suis en train de prononcer Israël. Car face au prophète Ismaël, j'ai tout le temps en tête le prophète Israël. Donc au lieu de dire Jacob ou Yaakoub, j'ai dit Isaac. Je voulais présenter ces erreurs. Ce n'est pas une erreur que j'ai commise parce qu'il y a un manque de connaissances. Je ne considère pas le prophète Israël comme Israël. C'est Jacob qui était Israël et les enfants de Jacob sont appelés les enfants d'Israël. C'est un arbre qui a poussé grâce au prophète Isaac. Je veux attirer votre attention vers un autre point qui est apparemment insignifiant. Et il est important aussi de faire une autre correction. J'avais cité auparavant Mirza Yahya, qui est venu après le Bab,
Et je lui ai donné le titre de Nukta. Après cela, j'ai corrigé cela. J'ai dit que c'était le Bab qui avait le titre de Nukta. Mais après recherche, j'ai essayé de connaître pourquoi j'ai commis cette erreur. Et je vous présente un point intéressant ici. Et on va corriger tout ce que j'avais dit auparavant. Le Bab s'était donné le titre de Bab, c'est-à-dire la porte grâce auquel va venir une autre religion. Et na'udhu billah min zalik, l'islam sera derrière cette porte. Après cela, au cours de sa vie, le Bab s'est pris le titre de Nukta. Et il a déclaré que je suis le Nukta, je suis le point sur lequel se focalisent toutes les prophéties et va débuter aussi une nouvelle création spirituelle. Lorsqu'il s'est pris le titre Nukta, le Mullah Hussein s'est pris le titre de Bab. Il a dit que vous avez quitté le titre de Bab et moi je suis le Bab maintenant. Et le Bab, dont le nom était Ali Muhammad Bab, a porté le titre de Nukta. Après son décès, lorsqu'il a été tué, il a été exécuté. Après cela, son représentant était Mirza Yahya. C'est pour cette raison que j'ai dit que Mirza Yahya était le Nukta. Lorsqu'on a exécuté Bab, c'est Mirza Yahya qui fut son représentant. Avant cela, un de ses disciples, le Molvi Hussein, avait déjà pris le titre de Bab. Donc on doit lui donner le titre de Nukta. Lorsqu'il est décédé, il portait le titre de Nukta. Mais après cela, ses disciples lui ont donné le titre de Bab. Je ne vais pas aller en détail concernant ces titres, mais je vais arrêter ce débat concernant le Nukta. Puisque j'ai parlé à ce sujet, c'est pour cette raison que je devais présenter l'arrière-plan. Sinon, ce ne sera pas la peine de discuter davantage à ce sujet. Après cela, je pourrai parler à propos de Baha'u'llah et de Bab et de Nukta. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس زمن میں کیا مفسرین نے جو کچھ کہا ہے وہ اس وقت زیر نظر ہے. Nous sommes en train d'étudier ce que disent les exégètes chiites. Je vous présente leur point de vue à ce sujet et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de commettre des erreurs ici et qu'ils n'ont pas le droit de faire de telles déclarations, des déclarations qui vont à l'encontre de ce que nous dit le Saint-Coran, de ce que dit l'histoire et la logique. Mir Ahmad écrit à ce sujet, puisque la grâce de Dieu qui a été offerte aux croyants s'applique à la maison d'Abraham et à la maison de Sarah, puisque c'était des personnes qui étaient parmi les Ahlul Bayt. Certains commentateurs ont essayé de considérer les épouses du Saint-Prophète comme les membres de Ahlul Bayt, tout comme
la femme de Sarah était une parmi les Ahlul Bayt, et que toutes les femmes du saint prophète sont incluses dans ces versets qui concernent la pureté des membres de la famille du saint prophète. Je vais répondre à ces attaques après le résumé de ce qu'il a dit, et que nous limitons le terme Ahlul Bayt à Hadrat Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Certains sunnites, selon lui, répondent à cette attaque en disant que les épouses du saint prophète font partie aussi des Ahlul Bayt. Et ainsi, nous nous tournons vers un verset dans lequel le Saint-Coran nous dit que les anges se sont adressés à Hadrat Saïra et lui a donné le titre de Ahlul Bayt. Et ils disent que c'est là un effort futile, ils ne pourront pas prouver que les femmes du saint prophète font partie des Ahlul Bayt. Je vais répondre à cela après. Il y a un autre verset qui concerne le prophète Noé. وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إن آيات کا ترجمہ یہ ہے اور جب نوح کو اے نوح اپلا سون سینیور اے جی اور کہا Mon Seigneur, en vérité, mon fils est de ma famille. Et assurément, ta promesse est vraie. C'est-à-dire, on avait fait cette promesse à Noé que les membres de sa famille seront sains et saufs. Il a déclaré que ta promesse est vraie, et c'est vrai aussi que c'est mon fils. Et il est un membre de ma famille. Et il est dit, « Wa anta ahkamul hakimin, tu es le plus juste des juges. » Ici, je suis en train de voir des contradictions. Toi, tu as pris cette décision. Allah a déclaré, « Ô Noé, il n'appartient certainement pas à ta famille. » En vérité, c'est un homme de mauvaise conduite. Aucune personne de mauvaise conduite ne peut être un membre de ta famille. Ne me demande donc pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Je dois dire en passant à ce sujet, Dieu est en train de dire, ne me demande pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Alors qu'on pose des questions concernant des choses qu'on ne connaît pas. Dieu dit à Noé ici que toi, tu ne peux pas comprendre tous les aspects de ce sujet. Je ne peux pas faire de lui un membre de ta famille. Il suffit de comprendre qu'il est un homme de mauvaise conduite, c'est pour cette raison qu'il n'est pas un membre de ta famille. Je t'avertis afin que tu ne deviennes pas un des ignorants. Il est dit tout d'abord que tu ne dois pas poser des questions à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Ensuite, il est dit que tu ne dois pas être parmi les ignorants. Il y a quelques difficultés ici concernant le prophète Noé. Je vais parler à ce sujet et je vais retourner vers notre sujet. Le prophète Noé a vu cet incident, son fils s'est séparé de lui et son fils était sur le point de se noyer. Et une vague a séparé son fils de lui.
Et il avait en tête cette promesse que Dieu allait protéger les membres de sa famille. C'est pour cette raison que Noé l'appelait à chaque fois, car il croyait qu'il était un membre de sa famille. Lorsque la vague les a séparés et que son fils s'est noyé, c'est là qu'il s'est tourné vers Dieu. C'est quoi cette question de connaissance ou d'ignorance? Je vais vous présenter cela. Le prophète Noé est un prophète et en tant que tel, il devait méditer sur le décret de Dieu et il n'aurait pas dû poser cette question. Dans nombre des cas, les réponses à de telles questions sont encore plus dangereuses. Il y a plusieurs dangers, c'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'on ne doit pas poser des questions à propos de ces sujets, car les conséquences seront mauvaises. La taqwa demande que l'on doit maintenir le silence, accepter le décret de Dieu en silence. Et tout prophète est mutaki. Mais des fois, il y a certaines voix qui sont subtiles. Et on a l'impression qu'il y a manque de taqwa, mais le prophète n'a pas trébuché. Il est dit après cela, afin que tu ne deviennes pas un des ignorants. On a compris ici que cette question posée par le prophète Noé était porteur d'un danger. Il n'était pas parmi les jahiliyyin. Allah est en train de lui dire que je t'ai donné ce conseil en te faisant comprendre que si tu posais davantage de questions à ce sujet, en fin de compte, tu ne serais plus parmi les ahli ilm, les érudits, et tu tomberas parmi les ignorants. C'est un écart subtil et Dieu a dirigé le prophète Noé de la bonne direction. Dieu lui a dit que j'ai compris ce que tu as dit et je suis en train de te donner ce conseil afin que tu ne parles pas à ce sujet après, sinon tu serais parmi les jahils, les ignorants. Noé n'était pas de ceux qui ont trébuché en raison d'une erreur. Il est parti dans une direction et dans cette direction, il aurait pu trébucher. Cette explication était importante afin d'innocenter le prophète Noé. C'est pour cette raison que j'ai présenté cela. Le commentateur Shid déclare que cette référence à propos du prophète Noé nous fait comprendre que la naissance d'une personne dans la famille d'un prophète sans affinité spirituelle avec ce prophète ne va pas faire mériter à cette personne le titre de Ahlul Bayt. Donc, le terme Ahlul Bayt s'applique à ces personnes qui méritent ce titre dans la famille du prophète. Les mêmes restrictions concernent les autres parents, les relations de sang ou de mariage. Ce titre signifie avoir une affinité proche avec ce prophète et avoir progressé spirituellement. Ce qu'il a dit est simple et c'est la conséquence naturelle de ce sujet. Ahlul Bayt ne concerne pas les liens de parenté, mais il est important d'avoir une affinité spirituelle avec ce prophète. Mais après cela, il déclare que on n'est pas Ahlul Bayt grâce à des relations ou par mariage. Il dit aussi qu'on n'est pas Ahlul Bayt par relation matrimoniale. Par mariage, on n'entre pas parmi les Ahlul Bayt. Mais en fait, ici, s'il y a relation avec ce prophète et que la personne concernée est mauvaise, cette personne va sortir des Ahlul Bayt. Mais celui-là est en train de dire que le mariage n'a aucun rôle à jouer ici. C'est-à-dire, même si on est pieux, on n'entrera pas dans les Ahlul Bayt. En fait, il est question ici de bonnes œuvres et de vertus. Je vais répondre à cela après. Je veux tout simplement vous présenter en premier lieu ces points et je vais parler à ce propos après.
Certainement, Dieu a conféré ses faveurs aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un prophète Mohammed qui était des leurs, qui leur a récité ces signes. Les Ahlul Bayt ne sont pas inclus ici car ils ont été purifiés par Dieu. Selon un rapport, un jour, le saint prophète était en train de s'allonger lorsque Ali, Hassan et Hussein et Fatima sont entrés, et c'est là que ce verset a été révélé. Assurément, Allah désire enlever de vous toute impureté aux membres de la famille du prophète, et il veut vous purifier complètement. Chapitre 33, verset 34. Ensuite, il a cité plusieurs références et il écrit à ce sujet que Hadrat Aïcha a déclaré que ce verset a été révélé quand ces cinq personnes étaient sous le manteau. Il a cité Hadrat Aïcha et déclare qu'elle est Ummul Mu'minin, la mère des croyantes. Puisque Hadrat Aïcha est en train de parler en leur faveur, c'est pour cette raison qu'elle est Ummul Mu'minin. Et si Ali était un croyant, et ainsi que ces personnes qui ont été mentionnées ici, eh bien Hadrat Aïcha devient leur mère. Mais après cela, ils ont commis des outrages concernant cette même mère. Aïcha elle-même a déclaré qu'elle n'était pas parmi ces cinq personnes. Ces cinq personnages étaient sous le manteau, elle n'était pas là. Certains de nos frères ne comprennent pas sa situation et déclarent qu'elle est parmi les Ahlul Bayt et ont interprété ce verset du Saint-Coran de leur manière. Umm Salma rapporte qu'elle était présente là-bas et elle voulait être parmi ces cinq personnages, mais le saint prophète a refusé en disant que tu es parmi mes femmes et tu es pieuse, mais ce n'est pas une place pour toi. Tu n'es pas parmi mes Ahlul Bayt. Il n'y a pas d'échappatoire pour personne. Et les Ahlul Bayt sont le saint prophète Hadrat Ali, Fatima, Hassan, Hussein et les neuf imams qui sont les descendants de Hussein. Maintenant, je vais prendre tous ces points afin qu'on puisse expliquer clairement cette question de Ahlul Bayt et afin que l'on puisse comprendre qui sont les Ahlul Bayt à la lumière du Saint-Coran et des Ahadiths. Qui sont ces personnes qui sont les membres de la famille du Saint-Prophète et comment les chiites ont commis des exactions, comment est-ce qu'ils ont détourné ces récits. Tout d'abord, je vais raconter cette histoire de manteau qui a été évoquée ici. Mais tout d'abord, je dois présenter ce verset. Tant que je ne parle pas à propos de ce verset, l'on ne pourra pas comprendre le sujet qui était mentionné ici. La majorité d'entre vous ne comprennent pas jusqu'à présent quel est le sujet qu'on est en train de présenter ici. C'est pour cette raison que je veux tout vous présenter. Dans la sourate Al-Ahzab, versets 32 à 35, on est en train de parler à propos des femmes du Saint-Prophète. Dieu s'adresse aux femmes du Saint-Prophète et déclare «
Mais quant à celle d'entre vous, les épouses du saint prophète, quant à celle d'entre vous qui obéit à Allah, Yaknut signifie faire preuve d'humilité et d'obéissance. Quant à celles d'entre vous qui feront preuve d'obéissance et d'humilité à Allah et à son messager, quant à celles d'entre vous qui seront obéissants envers le prophète et qui accompliront de bonnes œuvres, nous lui accorderons le double de sa récompense. Elle recevra double récompense. Voilà le statut des femmes du saint prophète. Et nous avons préparé pour elle une provision honorable. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Votre statut est très élevé. Pourvu que vous soyez pieuse, alors ne parlez pas d'une voix trop douce. Ne parlez pas d'une voix trop douce afin que celui dans le cœur de qui est une maladie ne se sente tenté ou ne se sente attiré. Il ne faut pas que votre voix soit attirante afin de ne pas tenter celui dans le cœur de qui est une maladie. Ensuite, il est dit « et prononcez des paroles décentes ». Tout d'abord, il est dit que les femmes du saint prophète ne doivent pas parler d'une voix trop douce afin de ne pas tenter les cœurs des autres. Ensuite, il est dit « wa qulna qawlan ma'rufa », mais cela ne veut pas dire qu'elle doit parler sévèrement, elle doit prononcer des paroles décentes. Mais elle ne doit pas non plus prononcer des paroles qui puissent attirer les autres. Ensuite, il est dit, restez avec dignité dans vos maisons et ne faites pas étalage de vous-même comme l'étalage des jours d'ignorance d'autrefois. Ensuite, il est dit, observez la prière, payez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Assurément, Allah désire enlever de vous toute impureté aux membres de la famille du prophète, aux membres de la famille du prophète, et il désire vous purifier entièrement. Et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons au sujet des signes d'Allah et de la sagesse. En vérité, Allah est celui qui connaît toutes les subtilités. Il est bien informé. Latif a un lien naturel avec Khabir. Ce qui est subtil peut s'immiscer partout. Et celui qui est le plus subtil sera partout. Les scientifiques disent que les neutrinos atteignent toute partie de la création
et les neutrinos traversent les objets. Allah est Al-Latif et personne ne peut arrêter Allah. Et puisqu'il est subtil, puisqu'il est présent partout, on ne peut rien lui cacher. C'est pour cette raison qu'il est dit qu'il est Latif, qu'il est Khabir. Voilà les versets que les chiites vont citer tout le temps et ils tirent des conclusions qu'ici, Ahlul Bayt signifie Hadrat Ali, Hadrat Fatima, Hadrat Imam Hassan et Hussein, et que cela ne s'applique à personne d'autre. Vous avez entendu ces versets. Ce sont des versets clairs et nets. Et pour un seul instant, on ne peut pas croire que cela concerne autre personne que les épouses du Saint-Prophète. On est en train de parler à propos des épouses du Saint-Prophète. On ne parle pas d'autres personnes ici. Il est dit, « Waqarna fi buyutikunna, ô épouse du prophète, restez dans vos maisons, ne sortez pas. » Ensuite, il est dit, « Ne commettez pas les étalages de l'époque de la Jahiliya. » Il est dit, « Waqimna salata, et priez. » Ô épouse du prophète, et payez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Et le verset continue. Dieu a décrété, Dieu a pris l'intention de vous purifier de toute impureté. Selon les chiites, ici, on ne s'adresse plus aux épouses du Saint-Prophète, mais on est en train de parler à propos d'autres personnes. Ce n'est pas ainsi que parlent les hommes en général. Si l'on essaie d'appliquer ces sens, on va dire que cette personne ne sait même pas parler. On est en train de parler d'autres personnes ici. Et après, au milieu, vers le sujet éclair et net, puisqu'on est en train de parler à propos de la purification, puisqu'on parle à propos de la purification spirituelle, lorsqu'on est arrivé au point ultime, Dieu a déclaré que nous avons placé toutes ces restrictions sur vous. Quelle en est la raison? Il n'y a pas de telles restrictions sur les femmes ordinaires, parce que nous voulons tout simplement vous purifier complètement. Et selon eux, on ne parle plus à propos des épouses, mais on est en train à propos de Hadrat Ali, de Hadrat Fatima et de leurs fils. On ne comprend pas leur logique, mais ils se sont reposés sur un hadith. C'est un hadith farfelu que le musulman Maoud a évoqué dans un de ses ouvrages et il a demandé pourquoi les ulémas musulmans accordent-ils autant d'importance à de tels hadiths. Les contradictions de ce hadith nous font comprendre que c'est une histoire inventée. On présente l'histoire d'un manteau purifié, alors que le Saint-Coran ne nous présente pas de telles histoires. La purification qui a été évoquée ici est claire et nette. Où est-ce qu'ils ont pu placer cette histoire de manteau dans ces versets? Ils disent que c'est un hadith de Hadrat Aïcha. Ils citent aussi Hadrat Umme Salma. C'est un hadith qui a été cité dans le recueil d'Ur Mansur. Il y a un autre récit d'Umme Salma dans d'Ur Mansur et il y a certains de ces hadiths que les chiites abandonnent. Le résumé de tous ces récits est que Hadrat Umme Salma a rapporté que ces versets que je viens de vous présenter ont été révélés dans sa maison.
Et il n'y avait que moi et le saint prophète. Et il m'a envoyé pour apporter Hazrat Ali et Hazrat Fatima, pour leur faire comprendre que ce verset a été révélé et je vais les couvrir sous mon manteau, car cette promesse les concerne. Hazrat Umm Salma a essayé de mettre sa tête sous ce manteau et le saint prophète l'a arrêté selon ce récit et lui a dit que tu es pure, tu es pieuse et tu n'as pas besoin d'être là. Attends à l'extérieur. Il y a d'une part ces récits et ces mêmes chiites rapportent un autre récit de Hadrat Aïcha qui déclare que ces versets ont été révélés dans ma maison, n'ont pas été révélés dans la maison de mes Salma. Il n'y avait que moi et le saint prophète. Ils apportent un autre hadith selon lequel il est dit que Hadrat Aïcha a dit que c'était pendant la nuit et tous les membres de la famille du prophète étaient présents. S'ils n'étaient pas présents, on les a appelés dans la maison de Hadrat Aïcha. Voyez un peu les contradictions. D'une part, il y a Umm Salma qui a dit que ces versets ont été révélés chez moi, Hadrat Aïcha qui déclare que ces versets ont été révélés chez moi. On dit que Hadrat Umm Salma est parti chercher ces personnes. Et d'autres fois, on dit que Hadrat Aïcha est parti appeler ces personnes. Et dans un autre hadith, il est dit que ces versets ont été révélés dans la maison de Hadrat Ali et le saint prophète les a réunis tous ensemble. Voilà donc tous ces hadiths. Et les chiites cite le hadith de Hadrat Aïcha et disent que c'est sahih. Mais puisque ces paroles ne les plaisent pas, c'est pour cette raison qu'ils ont traduit ce hadith selon eux. Aïcha a dit, est-ce que je vais mettre ma tête sous le manteau? Le saint prophète a dit non. Ce n'est pas la peine. Tu es pieuse. Est-ce que cela veut dire que ces personnes devaient se trouver sous son manteau, ceux qui n'étaient pas pieux? Voilà la seule conclusion qu'on peut tirer. Selon leur traduction, le saint prophète a réprimandé Hazrat Aïcha et lui a dit de sortir sous ce manteau. Tout d'abord, ces récits sont faux, et ensuite, on est en train de mentir concernant la traduction de ces récits. Voilà donc la situation de ces récits, des récits contradictoires. Ce sont des histoires farfelues et ils inventent toutes ces histoires et veulent imposer cela sur le Saint-Coran. Le Saint-Coran ne nous donne pas la permission d'agir ainsi. Il y a un seul verset ici. Écoutez, il est dit aux femmes du prophète, restez dans vos maisons. Et ne commettez pas l'étalage de l'époque de l'ignorance. Obéissez à Allah et au prophète. Ô Ahl al-Bayt, Dieu veut vous purifier de toute impureté. La traduction selon eux est que, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes ne pourront être purifiées par toi. Moi, je vais purifier moi-même les Ahlul Bayt. Toi, tu as la tâche de purifier les autres croyants. Moi, je vais purifier les membres de ta famille. Je vais purifier ces membres de ta famille. Et puisqu'il n'y aura plus de maux en ces personnes, cela voulait dire qu'ils n'étaient pas purs et qu'ils avaient des défauts. Sinon, comment purifier ceux qui sont déjà purs? Et les chiites ont cette croyance qu'ils étaient purs dès leur naissance. Puisqu'ils sont purs dès leur naissance, Dieu comment pourra-t-il les purifier? Mmh.
Ils sont déjà purs et Dieu est en train de faire à la promesse qu'il va le purifier encore plus afin de ne pas laisser sur leur corps spirituel aucun défaut. Cela nous fait comprendre qu'il y a des faiblesses. Certes, ce sont des faiblesses qui datent de l'époque de la Jahiliya. On est en train de parler de l'époque de la Jahiliya. Il est dit que vous avez apporté avec vous des traditions du passé. Vous faisiez de l'étalage auparavant. Abandonnez toutes ces pratiques. Cela ne vous sied pas, car vous êtes les épouses du saint prophète. Et la pureté de cette maison requiert cela de votre part. Vous ne serez pas les membres ordinaires de la famille du saint prophète. Dieu va vous accorder un plus grand statut. Il va doubler vos récompenses. La condition est la pureté. Donc, comment dire qu'il y a eu contradiction entre le verset du prophète Noé et ce verset qui concerne les épouses du saint prophète? Ces deux versets sont en train de se soutenir, puisque Allah s'est adressé à eux comme les membres de la famille du saint prophète et leur demande d'abandonner les pratiques du passé. Il leur demande aussi d'être pieuses. En même temps, il est en train de promettre que si vous n'arrivez pas à agir ainsi, eh bien nous allons vous promettre que nous allons vous purifier. Il ne peut y avoir de plus grande promesse quant à la purification de quelqu'un. Si elles disent que nous allons nous purifier, on pourrait avoir des doutes à ce sujet. Les chiites auraient pu dire qu'elles n'ont pas pu se purifier en dépit de leurs bonnes intentions. Mais Allah déclare que je vais vous purifier, je vais vous soutenir dans cette tâche. Je vais vous purifier complètement. Une purification exemplaire. Il ne laissera pas sur votre corps aucune tache, c'est-à-dire sur leur corps spirituel. Je veux présenter ici d'autres points. Il tire la conclusion qu'Allah a pris la responsabilité et que c'est le saint prophète qui est responsable des autres croyants. Je veux vous présenter un autre verset à ce sujet. Dieu a promis la purification à tous les compagnons du saint prophète. Ce verset concerne la purification, les ablutions. À la fin, Allah déclare: Dieu ne désire pas vous mettre en difficulté. Ce sujet est similaire au sujet qui a été évoqué concernant les épouses du saint prophète. Apparemment, ce sont des enseignements très sévères, mais le but, c'est de vous accorder des faveurs et non pas de vous mettre en difficulté. Puisqu'on parle de la purification et la purification des musulmans, Allah a déclaré clairement. Ici, Dieu a utilisé le verbe « yurid », c'est-à-dire « Allah n'a pas l'intention de vous mettre en difficulté ». Allah désire tout simplement vous purifier. Allah désire vous purifier. Non seulement qu'il veut vous purifier, mais il veut compléter ses faveurs qu'il a accordé à vous. Il s'adresse à tous les compagnons. La'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants envers Dieu. Donc, on est en train de parler à propos d'Allah, afin que vous soyez reconnaissants. S'il y avait un kasra, sous le noun sera été
une indication de ni, c'est-à-dire d'Allah. Donc, voilà ce qu'il a été dit, la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissant. Vous devez être reconnaissant pour ses faveurs. Cela veut dire que Dieu a fait cette promesse, il va accomplir cette promesse et va vous purifier. Ici, il n'est plus question de distinction, c'est-à-dire que certains seront purifiés par Dieu, certains seront purifiés par le saint prophète. Ce verset nous fait comprendre que c'est Allah qui est en train de purifier, et la main de Mohammed est la main d'Allah. Ils ont posé leurs mains sur la main du saint prophète et ont prêté allégeance à lui. Allah a déclaré Yadullahu fawqa aydihim. La main d'Allah était sur leurs mains. La purification accomplie par Mohammed est la purification accomplie par Dieu. Toute purification accomplie par le saint prophète est une purification accomplie par Dieu lui-même. Ceux qui font la distinction entre Allah et son prophète et bien, le Saint-Coran a fait des avertissements sévères à leur sujet en disant que « Ne séparez pas mon prophète de moi ». Je n'ai pas en tête ce verset, mais Dieu a émis des avertissements très sévères concernant ces personnes qui agissent ainsi, a averti ces gens en disant « Ne commettez pas ces actes d'ignorance, ne faites pas la distinction entre Allah et son prophète ». Les oulémas chiites sont en train de faire cette distinction entre Allah et son prophète en disant « Allah a accompli une purification et son prophète a accompli une autre purification ». Et les versets du Saint-Coran sont en train de rejeter de telles déclarations. Ensuite, il cite d'autres versets du Saint-Coran à ce sujet. Quant à ceux qui ont émigré, ici on trouve mention de plusieurs personnes qui ont émigré. Quant à ceux qui ont émigré et ont été expulsés de chez eux, et qui ont été persécutés pour ma cause, voilà les compagnons du saint prophète, ceux que l'on qualifie d'être des hypocrites. Comment Dieu va-t-il les traiter? Des personnes qui se sont battues et qui ont été tuées. Dieu déclare, je ne manquerai pas de les débarrasser de leurs maux. La signifie une emphase. Lorsque la est placée avant un verbe, cela veut dire qu'il y a de l'emphase. Et il y a aussi la Nun Khafifa qui va mettre de l'accent sur le verset. Cela veut dire que certainement, je ne manquerai pas de le faire. Ici, on trouve mention de la Nun Thaqila. Cela veut dire que c'est quelque chose que je vais accomplir. Aucune force au monde ne pourra arrêter cela. J'ai pris une décision finale, c'est-à-dire que je vais enlever les maux de ses compagnons et de ceux qui ont été persécutés. Ensuite, je les ferai certainement entrer dans les jardins du paradis. Dans des jardins à travers lesquels coulent des ruisseaux, une récompense de la part d'Allah, et avec Allah est la meilleure des récompenses.
Il n'est pas question uniquement de récompenses, mais de belles récompenses. Voilà le sujet que nous présente ce verset du Saint-Coran, et cela renforce les autres versets du Saint-Coran. Maintenant, je vais me tourner vers les autres arguments des chiites. Il y a un commentateur chiite, le Molvi Farman Ali, qui a parlé à ce sujet et je constate que cela le blesse profondément. Il comprend qu'on est en train de parler à propos des épouses du Saint-Prophète. Et comment pourra-t-il sortir de ce dilemme? Cet exégète s'appelle Molvi Farman Ali. Il a présenté des excuses ou des arguments. Il déclare que si on parlait à propos des femmes du Saint-Prophète, eh bien dans ces versets, ma qabal et ma ba'd, tout comme on l'a vu, les verbes étaient au féminin pluriel, eh bien, on aurait maintenu ce féminin pluriel ici. Si cela concernait les femmes du Saint-Prophète, on se serait adressé à elles au féminin pluriel. Et cette partie du verset n'est plus au féminin, mais se trouve au masculin. Et cela prouve, selon lui, que on est en train de parler à propos d'autres personnes. Ahle Bayt, vous devez comprendre, est toujours au masculin. Et à propos de Hadrat Saïra, on a utilisé le terme Ahle Bayt et cela a été utilisé au masculin. En s'adressant à cette femme, on l'a qualifié de Ahlul Bayt et ce verset a été utilisé au masculin. Ahlul Bayt a été utilisé à 3 reprises dans le Saint-Coran. Et ici, dans ce verset, il est dit « Liyuthiba ankum arisa Ahlul Bayt wa yutahhirakum tathira ». Allah a pris cette décision. Yuridullah. Dieu désire vous purifier. Il désire vous purifier de tout mot. Il désire laver de vous tout défaut. On parle ici de la sœur de Hadrat Moussa. Lorsque la sœur de Moïse marchait à côté de Moïse qui était dans l'eau. Et il a conseillé les femmes de Pharaon en disant « Ne voulez-vous pas que je vous informe à propos des personnes qui vont s'occuper de cet enfant et qui vont s'occuper de lui très bien ?» Est-ce qu'on trouve mention ici de masculin ici? Ahle Bayt est au masculin et on parle ici à propos de la femme de Moïse. Il y a 2 indications concernant des femmes à propos de qui on a utilisé le terme Ahlul Bayt au masculin. Là-bas, on avait parlé à propos des femmes du Saint-Prophète au féminin pluriel. Il y a 3 versets et dans 2 versets, on a parlé à propos des femmes. Dans le verset 74 de la sourate Al-Hud, les anges ont dit « Ô dame, est-ce que tu t'étonnes concernant les actions de Dieu ?» Ici, encore une fois, on s'est adressé à cette dame au masculin en disant « Alaykoum » que la grâce de Dieu soit sur vous ainsi que ses bénédictions. « Ahl al-Bayt » aux membres de la famille du prophète, c'est-à-dire aux Sahra.
Il y a une dame qui est là et qu'on a adressée au masculin singulier. Si on a parlé des femmes au pluriel là-bas, pourquoi cela doit-il tourmenter les chiites? Le Saint-Coran a toujours utilisé Ahlul Bayt au masculin et il n'y a pas ici des raisons pour soulever des objections. Mais ils disent que ce verset ne se trouve pas à sa place. Toute vertu qui se trouvait en ce Maulvi a complètement disparu. Il sait très bien qu'Ahlul Bayt a été utilisé au singulier. Et il a compris qu'on est en train de parler à propos des femmes du Saint-Prophète et de personne d'autre. Il déclare que on doit faire sortir ce verset de son contexte. Selon lui, on doit enlever cette partie du verset. Il déclare aussi que l'on comprend que ce verset ne se trouve pas à sa place. On l'a placé ici pour un objectif particulier. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ils peuvent nuire au Saint-Coran, mais ils ne vont pas abandonner leur concept farfelu. Et ils veulent tout imposer, même s'ils doivent nuire au Saint-Coran. Voyez comment ces gens ont des préjugés. Ils ont une grande hostilité à l'égard des épouses du Saint-Prophète. Et on voit cette hostilité partout. C'est un poison qu'on est en train de voir partout. Et ils disent qu'ils sont parmi les muttaqis. Et il dit qu'on a changé le Saint-Coran, qu'on n'accepte pas cela. Sa déclaration prouve que tous leurs arguments et leurs preuves sont fabriqués. S'il y avait quelque importance dans leurs arguments, ils n'auraient pas dit qu'on doit changer le Saint-Coran ou qu'on a changé le Saint-Coran. Il a compris qu'il ne pourra pas changer cela, car ici on est en train de parler à propos des épouses du Saint-Prophète et que l'on doit enlever cette partie du verset pour tout comprendre. Et selon lui, on a ici interpellé le Saint-Coran. Il déclare qu'il y avait 9 épouses du Saint-Prophète. Et ici, on parle à propos de 4 personnes. Il y a une femme, mais en tout, on a parlé à propos de 13 personnes. Et que les femmes sont en majorité. Et il déclare que puisque les femmes étaient en majorité, on n'a pas parlé au masculin. Alors que j'ai déjà présenté le verset qui concerne Hadrat Saïra, à 2 reprises, on s'est adressé à une dame au masculin en disant première fois Alaykoum, ensuite en s'adressant à elle en disant Ahlul Bayt. Qui peut changer l'usage du Saint-Coran? Vont-ils enseigner l'arabe à Dieu? Ils disent comment peuvent-elles être les membres de la famille du Saint-Prophète? Il aurait pu les divorcer. Cela concerne en fait ces personnes à qui Dieu a interdit l'aumône. Cela concerne aussi les enfants d'Abu Talib. Et ainsi, on est en train d'élargir le cercle des Ahlul Bayt. Il y avait ces personnes qui avaient passé une partie de leur vie en dehors de l'islam et s'étaient attaqués aussi aux musulmans, parmi lesquels il y avait Hadrat Abbas, celui qui a été fait prisonnier et celui qu'on avait attaché à un pilier. Et celui qui se plaignait, et lorsque le Saint-Prophète a entendu cela, il a fait preuve d'une grande justice. Il ne pouvait pas dormir parce que l'autre se plaignait. Lorsqu'il n'a plus entendu sa voix, il s'est levé. Avant, il souffrait parce qu'il avait une relation personnelle avec cette personne, mais ici, cela portait atteinte à sa justice. Il s'est dit qu'on l'a peut-être relâché ses liens parce qu'il est un membre de ma famille. Et il en fut ainsi.
Certains compagnons ont donc délié ces liens. Il a dit que si vous êtes en train de relâcher ces liens, eh bien vous devez relâcher les liens de tous les prisonniers. Ils disent que les membres de la famille du prophète sont ceux à qui on a interdit la consommation de l'aumône. Avant, ils avaient cité l'histoire du manteau et maintenant, ils sont en train de parler de l'aumône. Et cela concerne en fait Hadrat Abu Talib et ne commence pas avec le saint prophète. Et selon lui, c'est les enfants d'Abu Talib qui sont les Ahlul Bayt. Mais cela veut-il dire qu'ils n'avaient pas de défaut alors qu'ils avaient vécu dans l'incroyance et ils étaient parmi ces soldats qui se sont attaqués à l'islam et qui ont été faits prisonniers. Ils ont inventé des histoires farfelues. Ils sont en train de présenter certains hadiths contre le Saint-Coran. Et lorsqu'on prouve qu'il y a des contradictions dans ces hadiths, eh bien, ils s'attaquent au Saint-Coran et disent qu'on a interpolé les versets du Saint-Coran. Et ils vont faire les éloges de Umm Salma. Puisqu'ils ont trouvé un hadith en faveur de leurs arguments, c'est pour cette raison qu'ils devaient faire son éloge. Ils disent que lorsque ce verset est révélé dans la maison d'Umm Salma, elle était une épouse vertueuse. Lorsqu'elle a vu se couvrir sous ce manteau, le saint prophète a tiré un coin du manteau et a déclaré que tu es pieuse, mais tu n'es pas un membre de ma famille. Tu es parmi mes épouses. C'est un récit qui a été inventé. Ce hadith est en contradiction avec d'autres récits. Et il y a d'autres récits que les chiites rejettent alors qu'ils se trouvent dans le même recueil d'Ur et Manthur. تفسير دور منصور جلد 3 صفحة 198 Dans le tafsir d'Ur et Manthur, volume 5, page 198 de Allama Jalaluddin Suyuti, il est rapporté de Ibn Abbas. C'est un hadith qu'il ne cite pas. Ibn Abbas a rapporté que ce verset, Innama yuridullahu liyuthiba ankum rissa, a été révélé à propos des épouses du saint prophète. Selon Ikrama, ce verset concerne les épouses du saint prophète. Il déclare à ce sujet que ce verset, Innama yuridullahu liyuthiba ankum ar-ridsa, ne concerne pas le sujet que vous évoquez. Certains présentent d'autres personnes ici. Ikrama déclare que cela concerne les épouses du saint prophète. Hadrat Urwa déclare que ce verset s'applique aux épouses du saint prophète et que ce verset a été révélé dans la maison de Hadrat Aisha. Et les chiites ont déjà présenté à notre récit que ce verset a été révélé dans la maison de Hadrat Aisha. Et il ne présente pas ces récits dans lesquels il n'y a pas de contradiction. Selon certains récits, Ikrama ou Urwa avait déclaré que Ahlul Bayt signifie les épouses du saint prophète et que ce verset était révélé dans la maison de Hadrat Aisha. D'autres rapporteurs ont dit que, selon Ibn Abbas, ce verset a été révélé à propos des épouses du saint prophète. Il déclare que ce verset est clair et net et je suis prêt à faire la mubarrala avec toute personne qui veut présenter un autre sens à ce verset.
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté ce défi? Ils ont inventé des récits. Et lorsque Ikrama a lancé ce défi, où étiez-vous? Et comme vous l'avez vu, ce sujet est clair et net. Et il y a ce Mollah chiite qui déclare que tant qu'on n'enlève pas cette partie du verset qui concerne les épouses du prophète, les chiites n'auront pas d'argument. On est en train de commenter sur Hadrat Saïra et il déclare à ce sujet que since in the mercy and the bounty of God offered in this verse applies la grâce que Dieu a accordée par Dieu. Cette grâce concerne la maison d'Abraham et Sarah était la femme d'Abraham et était la personne qui a été adressée ici et qui fait partie de Ahlul Bayt. Ils disent que c'est probable qu'elle fasse partie des Ahlul Bayt. Selon lui, peut-être que Saïra était parmi les Ahlul Bayt. Ensuite, le même exégète chiite déclare que certains commentateurs ont essayé de trouver des arguments pour faire entrer les épouses du Saint-Prophète parmi les Ahlul Bayt et disent que puisque Sarah était parmi les Ahlul Bayt, c'est pour cette raison que toutes les femmes du Saint-Prophète sont incluses dans le verset 32-33 qui concerne à la purification. Il déclare que les sunnites ont fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les épouses du Saint-Prophète soient comptées parmi les Ahlul Bayt. Et Sarah, la femme d'Abraham, a été considérée comme Ahlul Bayt. Il déclare aussi qu'intentionnellement ou inintentionnellement, ils n'ont pas compris ce qu'avaient dit les anges. Lorsqu'ils se sont adressés à Sarah, ce n'est pas en tant que femme d'Abraham, mais en tant que mère d'Isaac. Il est en train de dire qu'ici, on n'a pas conféré ce titre parce qu'elle était la femme d'Abraham, mais parce qu'elle allait être la mère d'Isaac. Et ils sont en train d'errer dans l'ignorance. On ne trouve pas de récit que la grand-mère du Saint-Prophète, c'est-à-dire Hazrat Hajra, son aïeul, a reçu le titre d'Ahlul Bayt. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle n'a pas reçu le titre d'Ahlul Bayt parce qu'elle était l'épouse d'Abraham, mais parce qu'elle était la mère d'Isaac. Selon les chrétiens, il y a eu cette progéniture pure, cette descendance pure, à qui est promis les bénédictions. Et cela commence avec la mère d'Isaac. Ces bénédictions sont liées avec les descendants de Sarah. Et afin de prouver leur argument, ils déclarent que Hadrat Hajra, qui était l'aïeul du saint prophète Mohammed, n'a pas reçu ses bénédictions et préfère soutenir les chrétiens. Ils disent que les déclarations des chrétiens sont vraies. L'aïeul du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne méritait pas ces grâces car elle était uniquement l'épouse d'Abraham. Elle peut être son épouse aujourd'hui et ne pas l'être demain.
Mais ils oublient que Hadrat Ali, qu'ils disent avoir reçu des bénédictions et qui est devenu le fils du Saint-Prophète, est devenu le fils du Saint-Prophète en raison de son mariage avec Fatima. Ils peuvent dire concernant les épouses du Saint-Prophète qu'elles peuvent être ses épouses aujourd'hui et le lendemain, mais on ne peut pas dire la même chose à propos de Hadrat Fatima. Mais ces gens ne réfléchissent pas sur ce qu'ils disent et sur les conclusions qu'ils tirent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent et présentent des arguments grâce auxquels ils creusent eux-mêmes leur tombe dans lesquelles ils vont tomber. Et disent à propos de Hadrat Ibrahim. On peut à tout moment abandonner son épouse. On peut divorcer de son épouse et elle sera la femme d'un autre. Voilà les indécences qu'ils sont en train de proclamer à l'égard de l'épouse du prophète Abraham, tout simplement afin de prouver leurs arguments. En tout cas, à propos des épouses du Saint-Prophète, il a été dit qu'après leur mariage avec le Saint-Prophète, elles ne pourront pas se marier avec personne d'autre. Et elles ont le titre de Umratul Mu'minin. Elles sont les mères des croyants. Dieu a établi ce lien, lien entre mère et enfant. Et après cela, il ne sera plus question de mariage. Ces oulémas chiites oublient cela. Mais puisqu'on ne trouve pas cela à propos du prophète Abraham, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de commettre cet outrage. Ils ne sont pas contents de leurs arguments. La femme d'Abraham était bénie. Et ils disent aussi, Sarah, la femme d'Abraham, était aussi la cousine d'Abraham. On doit comprendre qu'à part le fait qu'elle était l'épouse d'Abraham, elle était aussi sa cousine. Elle était la fille de son oncle. C'était donc une femme très honorable. Elle avait reçu ses bénédictions de cet oncle d'Abraham et pas d'Abraham, selon eux. Et ils ont rejeté Hadrat Hajra. Ce sont les mêmes arguments que les chrétiens utilisent contre le Saint-Prophète. Afin de soutenir leurs idées farfelues, ils sont en train de soutenir les doctrines chrétiennes et dépassent même les chrétiens. Les chrétiens ne disent pas que Sarah a reçu ses bénédictions de son oncle. Ils disent qu'il n'a pas reçu ses bénédictions d'Abraham, il a reçu ses bénédictions de son oncle, c'est-à-dire du père de Sarah. Le Saint-Coran mentionne cet oncle, mais utilise le terme père, mais est en train de parler en fait de l'oncle. Le nom est Hazar. Il n'était pas le père d'Abraham. Je dois vous faire comprendre ce sujet aussi. Selon la Bible, le prophète Abraham s'était marié avec sa sœur, une sœur qui était d'une autre mère, mais dont le père était commun. Nous disons que Sarah était la fille de Hazar. Hazar était un oncle d'Abraham et il avait poussé au loin son hostilité contre le prophète Abraham.
Le Saint-Coran a utilisé le terme Ab à son propos. Donc il y a cette possibilité. Je suis en train de vous présenter des hypothèses. Le Saint-Coran a utilisé le terme Ab pour son oncle car la langue arabe permet cela. On utilise ces mêmes termes ici aussi. Mais peut-être qu'on a essayé de corriger l'erreur de la Bible. Et on disait qu'elle était la fille de Satan Tara. Abraham n'était pas le fils de Tara, mais le fils d'Azar. Donc il y a ces deux possibilités et il n'y a pas d'objection à ce sujet. La Bible déclare, voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nachor et Haran. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. La femme de Nachor était Milka, qui était la fille d'Haran. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, et des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham a dit à propos de Sarai, « De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » La Bible nous présente ce concept ignore à propos du prophète Abraham et de Sarah. Et il nous fait comprendre que le prophète Abraham était le fils de Tara, Sarah était la fille de Tara, et elles étaient frères et sœurs, alors que leur mère était différente. C'est pour cette raison qu'elle lui appelait sa sœur. Le Saint-Coran rejette ce concept et le Saint-Coran présente le nom d'Azor comme le nom de son père. Les exégètes présentent ce point. Et je pense que la défense que moi je présente est plus forte. Et grâce à cela, on résout tous ces problèmes. Les commentateurs disent que puisqu'on dit que son oncle était son père, et les chrétiens disent que le Coran a commis une erreur ici. Il était le fils de Tara, oui, mais on l'avait qualifié aussi de fils d'Azar. Si on accepte cela, on va devoir accepter qu'il s'était marié avec sa sœur. La Bible est en train de commettre une erreur. La Bible commet des erreurs concernant les généalogies et il y a plein d'erreurs dans ces noms et dans ces généalogies. Lorsque nous allons écrire un commentaire sur la Bible, nous allons présenter cela au monde. Mais je voulais tout simplement dire que pourquoi ne pas accepter ce que nous dit le Saint-Coran? Il était le fils d'Azar. Car ailleurs, le Saint-Coran déclare qu'il avait fait cette promesse à son père que je vais demander à Dieu de te pardonner. Dieu va te pardonner, je vais prier pour qu'Allah te pardonne. C'est pour cette raison qu'il avait prié. Mais puisqu'Allah a déclaré qu'il est l'ennemi de Dieu, Abraham s'est repenti et l'a déclaré que je ne vais plus prier pour lui. Allah l'a empêché de prier davantage. Voilà le point que je voulais présenter. D'où viennent donc les bénédictions de Sarah? Elle était la fille de Tara, elle était peut-être la fille d'Azar. En tout cas, elle était la fille du chef des polythéistes, la fille de l'ennemi de Dieu.
Et toutes ces personnes avaient rejeté l'existence de Dieu. Ces personnes ont été maudites par Dieu. Cet imam des chiites déclare que les commentateurs sunnites essayent de considérer les épouses du Saint-Prophète comme les membres des Ahlul Bayt, mais ne comprennent pas que Sarah était de la famille d'Azar, et parmi ses aïeux il y avait Tara. La grandeur de Sarah était avec ceux qui étaient des polythéistes et qui avaient essayé de tuer Abraham. Ils avaient jeté Abraham au feu et voulaient mettre fin à leur génération. Et certainement, Allah a refroidi ce feu pour Abraham. Ici, ils sont en train de détourner le sens du terme Ahlul Bayt et pensent que cela est en leur avantage. Parmi les Ahlul Bayt, ils ont placé Abu Talib. Ils écrivent Abu Talib alayhi salam, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de récit que Abu Talib avait prêté allégeance au Saint-Prophète, qu'il avait embrassé l'islam. On sait aussi qu'il voulait retirer sa protection au Saint-Prophète. Il a dit que je ne pourrai pas soutenir davantage la protection de mon peuple et je ne vais plus t'accorder ma protection. Et selon eux, les chiites, sa noblesse débute avec ces gens. Voilà comment ils ont détourné ces sens. Ils essayent de tirer leur honneur de l'incroyance et du shirk. Et selon eux, il est interdit de chercher cet honneur auprès du Saint-Prophète. Ya ayyuhal